Les villageois ont insisté et sont toujours très fiers de nous présenter leur rivière. La rivière, c'est un peu la place publique, car l'eau est ici comme partout synonyme de vie, et toutes les activités du village dépendent de la rivière. Je vais vous raconter comment on a trouvé le diamant chez nous. Tout n'a pas été trouvé suite à la prospection des Belges. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Blancs, on ramassait les diamants le long de petits ruisseaux comme ça. Il y a les petits enfants qui ramassaient. On appelait ça des cailloux brillants parce qu'ils ne savaient pas quel nom donner à cette matière. Bon, les Belges, quand ils sont venus, ils ont trouvé des petites filles qui jouaient avec ça, avec les diamants, des grosses pierres comme ça. Oh là là. Ils jouaient avec ça. Ils ne savaient pas, ils n'en connaissaient pas la valeur. C'est ainsi qu'ils ont découvert que dans cette région, il y a le diamant. Alors là, j'ai parlé du Kasaï oriental. Et ces pierres ont été confisquées par eux? Oui, bien. Ils ont pris. Ils ont pris ces pierres. Ils nous ont montré, on a su que c'était les diamants. C'est alors qu'ils ont commencé la prospection. Mais avant, ça s'est ramassé comme ça le long des ruisseaux. Ces filles ont été dédommagées. Dédommagées, est-ce qu'elles savaient ce que c'est? Ni leur père non plus ne savait pas ce que c'est. Non, mais même quand les Belges l'ont pris, ils ne savaient pas. Ils ont fait analyser et ils ne savaient pas ce que c'était. Oui, ils ont fait analyser. Non, les Belges étaient quand même déjà civilisés. Hein. Oh, oui, mais tu sais, quand tu ne connais pas, hein, moi ou toi, on trouve un diamant. Mais après qu'on a fait des analyses, oui. On leur avait dit que c'était un diamant, que ça avait une valeur, on leur avait donné de l'argent. Oui, c'est fini, à ce que, après ça, quand on vous c'était une, dit, une zone. Ces cailloux brillants, là, on vous arrêtez. Hein. Ça, cette plante, c'est le mimosa sensitive. Oui. Tiens, il y a une fleur. Dès qu'on touche, il se ferme. Il se ferme tout seul. Faut toucher la feuille? Ah, même si vous touchez les la tige? Ah, mais je me suis piqué, ça pique aussi. Ça pique. La nourriture de base dans les villages est le manioc, transformé en farine, puis en pâte. Ensuite, il est cuit dans des feuilles de latanier ou de bananier. Une partie sera vendue à la ville sous forme de boule, ce qu'on appelle la chikwang, au prix d'un franc ou un franc cinquante la pièce. Cela remplace le pain, mais rien que l'odeur de minster, même plus forte que le minster, m'a toujours fait hésiter avant d'y goûter. Vous avez devant vous un état dans lequel on vient déposer le manioc et tirer du champ. Hein? L'opération s'est faite de la manière suivante. On enlève le manioc du champ, on coupe les écosses, hein, on les prépare et puis on les met dans l'eau. Et ça dépend des saisons. Pendant la saison sèche, ça dure 3 jours. Pendant la saison pluie, comme c'est le cas maintenant, ça dure 2 jours. Bon. Le deuxième jour ou le troisième jour selon la saison, les maniocs sont épulsés. On enlève la peau. On enlève la peau. Comme vous avez vu d'ailleurs, je dois voir, voilà, là-bas. Cette opération-là. On enlève la peau, le manioc reste tout blanc, mais la pâte sent mauvaise en ce moment, la pâte sent mauvaise, parce qu'elle n'est pas sèche. Alors, et quand c'est sec, vous venez ici. Il a dit 2-3 jours après, c'est sec. Bon, on va voir, laisse. Vous voyez, c'est ça. Ça reste séché pendant 2 ou 3 jours. Et une fois sec, on la met dans le pilon. Le pilon, c'est ça. On le pile. Alors, si vous voulez, on vient pour le moudre. En le pilant, donc ça se mou. Et vous retirez une farine blanche. Ça peut être blanche, ça peut être... C'est rare, en fait, quand c'est jaune, c'est que la chicoine ne serait pas bonne. Mais en principe, ça doit être une farine blanche. Toute blanche avec ses odeurs bien sûr, hein. Alors, après ici on amène cet tas au village et vous et c'est l'opération que vous venez de vivre tout à l'heure. On fait une grande pâte, on l'enferme dans des feuilles et on le cuit
Et après, vous avez la chicouan, vous avez le manioc, enfin, ce que nous appelons chez nous la chicouan, ce que vous appelez chez vous le pain. C'est notre pain, si vous voulez. On le coupe, on enlève, on laisse ceci. Et ceci, qu'est-ce qu'on fait après? On les replante. Oui, les boutures. On coupe, les boutures, on plante. Les boutures, il faut les prendre au milieu, là. Et c'est une plante qui est venue du Brésil, hein. C'était pas, c'est, avant, c'était, ça n'existait pas, ça, chez nous. C'était pas... Ça a été importé quand? Oh, quand les Belges étaient venus ici, hein. C'est un truc, c'est une plante qui est venue du Brésil. C'est ainsi que vous avez la farine de manioc au Brésil. Les Brésiliens, les Haïtiens, les Dominicains, ils mangent la chouan comme nous. On nous explique à présent qu'après avoir transformé le manioc en farine dans le pilon, on le mélange à l'eau et on en fait une pâte. Avec cette pâte, on fait des boules. Cette vieille femme, qui nous assure tant à environ plus de 100 ans, car on ne connaît pas l'âge exact des anciens, prépare des boules de ficelle avec des morceaux de branches de palmier. C'est des feuilles de quoi? De latamier? Non, des feuilles. Ça peut être des feuilles de bananes, des bananes, des feuilles comestibles. Voilà. Ce qui est là, il y a un. Voilà, ah oui, comme il est en train de fermer. Il est en train de fermer. Voilà, ça c'est la fermeture. Pour pouvoir emballer, on ferme avec ce. Ça c'est la ficelle pour emballer la chicouan. Ouais. La ficelle sert à maintenir les feuilles de latanier ou de bananier qui entourent et protègent la chicouan. Une fois ficelées, elles seront cuites dans l'eau environ 3 heures et se conserveront ainsi dans leurs feuilles 2 à 3 semaines. Na costa la niñez.